c'est presque toujours le même sujet traité de la même façon tout le temps. Enfin, selon moi, c'est ça. Notamment, je fais référence aux comédies françaises, où ça concerne toujours un certain milieu avec ses propres clichés, stéréotypes et tout. Il y a les bourges, le gauche, je sais pas quoi et tout. D'un côté, il y a les mecs de la banlieue, ce genre de choses. Enfin, c'est toujours montré d'un certain cliché sans jamais vouloir se renouveler. Moi, je viens d'une banlieue, donc voilà, je suis dans un film, je serais obligatoirement représenté en train, je sais pas, en train de fumer, en train de raqueter quelqu'un pour son portable, en train de ce genre de choses, en train de parler wesh wesh régulièrement. Alors que non, pas du tout. Même par exemple, je prends le dernier film de Larry Clark, même là, il a complètement foiré. Il a donné sa vision de la jeunesse. Pourtant, Larry Clark, c'est un cinéaste qui traite beaucoup de la jeunesse, de ses débauches et tout, si je me trompe pas. La vision qu'il a des jeunes, c'est totalement la vision que les adultes ont de nous, quoi. C'est soit on est vu comme des gens bourgeois qui... Excusez-moi, madame. Soit on est vu vraiment comme des gens... Ah, t'as pas un sur 06, voilà, quoi. C'est un peu énervant. Globalement, c'est très, très énervant. Est-ce que ça vous empêche d'aller au cinéma, ça, non, au bout d'un moment? Non, pas du tout. Je vois régulièrement 20 à 30 films dans le mois. Pour moi, le but, ça serait justement, on essaie un peu de, quitte à présenter un cliché, on essaie un peu de s'en éloigner, quoi, de faire quelque chose de plus libre. Parce que par exemple, je sais pas, moi je suis parti sur l'idée, par exemple, que je regarde une comédie française, je les vois de moins en moins au cinéma, je vais faire plus me référer sur le cinéma américain ou autre, parce que les comédies françaises, j'en ai vu une, et maintenant j'ai l'impression qu'ils sont tous dans le même registre, globalement. Comment vous pensez que ça pourrait changer, ça? Le mieux, ce serait déjà peut-être d'ouvrir le cinéma aux jeunes. Quand je dis l'ouvrir le cinéma, c'est pas genre les inviter à aller plus souvent au cinéma, c'est par exemple vraiment les aider à faire eux-mêmes leurs propres films, les produire, ce genre de choses. Ça serait super, en fait, de montrer une vision totalement jeune, recréer une nouvelle vague, globalement, faire que le cinéma soit un peu plus libre, on dit stop aux divers polémiques, voilà, c'est chacun à sa propre vision artistique.